Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Le signe d'argent est un automate inventé en 1773 par le londonien James Cox et le belge Jean-Joseph Merlin. De la taille réelle d'un signe et encore fonctionnel de nos jours, bien qu'activé une seule fois durant la journée afin de préserver son mécanisme, le signe, entouré de feuilles d'argent et qui comporte une boîte à musique, est en fait posé sur un ruisseau fait de tiges de verre avec des poissons devant lui. Quand le mécanisme de l'automate est enclenché, la boîte à musique se met à jouer et les tiges en verre se mettent en rotation, donnant l'illusion de l'eau qui coule. Le cygne tournant quant à lui la tête des deux côtés et se lisse les plumes avant de regarder les poissons et d'abaisser son cou afin d'en manger un. Après cela, la tête du cygne se replace dans sa position initiale, le tout dans un cycle de 32 secondes. Cependant, le cygne d'argent serait vraisemblablement incomplet. Un acte du Parlement du Royaume-Uni de 1773 indiquant qu'il mesurait 3 pieds de diamètre pour 18 pieds de hauteur. Chose semblant indiquer qu'il y avait vraisemblablement à la base une structure derrière le signe, probablement une chute d'eau, structure probablement volée durant les déplacements de l'automate. Déplacements qui l'ont d'ailleurs fait même passer par la France où il fut montré à Paris lors de l'exposition universelle de 1867, soit quasiment un siècle après son invention. Pour la petite sous-anecdote, le célèbre écrivain américain Mark Twain, alors en visite en Europe à cette époque et qui avait assisté à l'exposition universelle de Paris, avait noté ses observations sur le signe d'argent dans son récit semi-autobiographique Le Voyage des Innocents, en le décrivant comme, je cite, « ayant une grâce vivante dans son mouvement et une intelligence réelle dans ses yeux ». Finalement acheté par un joaillier en 1872, prénommé John Boyce, le signe finit dans le musée du joaillier, le Boyce Museum, où il loge encore de nos jours et où il constitue l'une de ses principales attractions. Mais Jean-Joseph Merlin, le co-inventeur du signe d'argent, avait aussi créé une autre invention. Et oui, le saviez-vous ? Non pas le roi mais Jean-Joseph Merlin, né le 6 septembre 1735 à Huy en Belgique et mort le 4 mai 1803 à Londres, a inventé, vers 1759-1760, le patin à roulettes, aussi connu sous le nom de roller. Ce en fixant tout simplement des roulettes en bois sous ses chaussures. Est-ce que connaissez-vous les relais ? Mais oui, c'est clair ! Bien que cependant, d'autres inventeurs, plus tôt dans le siècle, auraient aussi expérimenté la chose, c'est, faute de documents, le premier à être officiellement reconnu comme tel. Inspiré du patin à glace, l'idée fut reprise par la suite par le sculpteur et inventeur, là encore belge, Maximilian Lodewijk van Lied, qui fabriqua sa première paire de patins à roulettes, nommée patin à terre, à Paris en 1789. Un nouveau modèle qui était réputé pour permettre, je cite, de courir aussi vite sur la terre en pays plat que sur la glace avec des patins ordinaires. Au niveau de leur composition, ceux-ci étaient constitués de deux roues alignées et de deux éclisses servant à maintenir le dispositif afin de déjà éviter les torsions de cheville. Le saviez-vous ? Il y a 5 ans, en février 2018, était lancée la Tesla d'Elon Musk dans l'espace. L'un des événements publicitaires les plus insolites de l'histoire jusqu'ici. Mais, question, où en est donc notre Tesla aujourd'hui ? Eh bien, trop petite pour être suivie par des télescopes depuis la Terre, celle-ci n'a en fait pas pu être observée depuis 2018, et a pu être endommagée depuis. Néanmoins, si elle est toujours intacte, elle poursuit théoriquement toujours sa course à une vitesse actuelle de 120 000 km/h, ce qui est un record pour une électrique, hein, et devrait actuellement être à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre. Celle-ci ayant par ailleurs déjà fait 3 fois le tour du Soleil pour un voyage d'environ 4 milliards de kilomètres, ce qui représente, pour donner une idée des distances, près de 10 000 fois la distance de la Terre à la Lune. Si elle n'est pas heurtée par un astéroïde, son trajet pourra encore durer plusieurs centaines de millions d'années, avec une chance de 12 à 22%, selon les calculs des chercheurs de l'université américaine de Cornell, qu'elle finisse par s'écraser sur la Terre, Jupiter ou le Soleil. Le saviez-vous ? La société de production Columbia Pictures a appartenu à Coca-Cola. Achetée en 1982 pour 750 millions de dollars, la société a appartenu à la marque pendant près de 7 ans, avant d'être finalement revendue en 1989 au géant de l'électronique japonais Sony, ce pour la coquette somme de 3,4 milliards de dollars. Une revente effectuée par peur du marché volatile du cinéma, mais qui n'en reste pas moins un joli profit tout de même. Le saviez-vous ? Tiens, on est à l'envers. En parlant de Coca-Cola, comme vous le savez certainement, le Coca-Cola, créé en 1885-86, contenait originalement de la cocaïne, ce officiellement jusqu'en 1903. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, enfin moi je ne savais pas en tout cas, c'est que le 7-Up, aujourd'hui détenu par PepsiCo d'ailleurs, contenait quant à lui originalement du citrate de lithium. Ce de son invention en 1929 jusqu'à 1948, presque 20 ans plus tard. Un composé chimique utilisé, je cite, en traitement psychiatrique en tant que stabilisateur de l'humeur et en traitement des états maniaques ainsi que des troubles bipolaires. Le nom original du soda était d'ailleurs, bip label, Lithianed Lemon Lime Soda,
ce en référence au fameux lithium. Soda qui était en fait originellement vendu en tant que médecine brevetée afin de lutter contre les effets de la gueule de bois. Le saviez-vous ? L'incident du Daehongdan est une des très rares mentions de l'histoire, si ce n'est la seule mention de l'histoire, d'une victoire américano-nord-coréenne. Cargo nord-coréen, le Daehongdan avait été attaqué en 2007 par des pirates somaliens, ceux dans l'océan Indien à 110 km des côtes somaliennes. Au nombre de 7, ceux-ci, armés, avaient pris le contrôle de la passerelle, tandis que les 22 membres de l'équipage nord-coréen avaient trouvé refuge dans la timonerie ainsi que la salle des machines. Émettant un signal de détresse, c'est un destroyer américain, le USS James E. Williams, qui était parti à leur rescousse en y envoyant une équipe d'intervention. Dans le même temps, l'équipage nord-coréen s'était mis à attaquer d'eux-mêmes les pirates et s'était emparé de plusieurs armes. Après une fusillade causant plusieurs blessés graves côté nord-coréen et au moins un mort du côté des pirates, leurs ravisseurs se rendèrent finalement. Les Américains arrivés sur place, les blessés, dont les nord-coréens, furent transportés sur le destroyer américain pour y recevoir des soins. Suite à cet événement, l'agence centrale de presse nord-coréenne publia une déclaration quelque peu inhabituelle en remerciant les États-Unis pour leur assistance donnée à ces marins et en insistant sur le succès de la collaboration entre ceux-ci et la Corée du Nord. Le saviez-vous ? La première apparition d'Astérix sur nos écrans ne provient pas d'Astérix le Gaulois sorti en décembre 1967, mais de deux romans en Gaule, un téléfilm paru plus tôt la même année. Téléfilm qui est une adaptation libre de la bande dessinée mettant en scène deux légionnaires romains et qui contient surtout des passages animés avec Astérix et Obélix. Film et passage dont je ne peux vous montrer que des images et non des extraits, merci Lina, mais qui est en revanche disponible entièrement sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Attention par contre, j'ai vu des moments où ça chante et où ça danse. Scénario signé de René Goscinny et Albert Uderzo, les créateurs d'Astérix, le téléfilm était réalisé par Pierre Tchernia. Pierre Tchernia qui avait déjà travaillé avec eux et qui continuera encore pendant de nombreuses années, ce en travaillant entre autres aux adaptations de plusieurs albums d'Astérix en films d'animation, et qui, pour la sous-anecdote, fera aussi de la voix off dans plusieurs films, dont entre autres Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qu'on ne présentera plus, et dans lequel il joue aussi pour la sous-sous-sous-anecdote en tant que centurion romain. Pour en revenir au téléfilm de deux romans en Gaule, sachez que c'était déjà la voix de Roger Carrel qu'on retrouvait pour le rôle d'Astérix, voix qu'il continuera de doubler pendant encore 47 ans et qu'il interprétait en fait déjà depuis 2 ans à l'époque à la radio via l'émission Micro et Caméra, ce en compagnie de Jacques Morel dans le rôle d'Obélix, qu'on retrouve aussi pour la voix de ce film et qu'il continuera quant à lui de doubler dans les 3 premiers dessins animés officiels d'Astérix. Ce avant d'être remplacé par Pierre Tornade qui, pour la sous-sous-sous-sous-sous-anecdote, joue lui-même dans le film de Romain en Gaule. Et pourquoi juste avant cela j'ai parlé de films d'animation officiels ? Eh bien c'est parce que, le saviez-vous, Astérix et la Serpe d'Or est un film d'animation qui devait lui aussi sortir en 1967. Oui, c'était l'année d'Astérix. Réalisé dans le plus grand secret par Georges Dargaud, un éditeur de bande dessinée, fondateur des éditions Dargaud, qui voulait faire la surprise au créateur d'Astérix une fois le film terminé, celui-ci était tellement confiant du succès de son dessin animé qu'une suite était déjà prévue, l'adaptation du Combat des Chefs. Sauf que, problème, quand le film d'animation terminé fut enfin montré à René Goscinny et Albert Uderzo, qui apprirent son existence du même coup, eh bien, ceux-ci furent tellement déçus par la qualité technique et de l'animation simpliste et répétitive du film, qu'ils ne demandèrent pas moins que la destruction du négatif de ce dernier, ainsi que l'abandon du projet de sa suite. Albert Uderzo déclara d'ailleurs, ce plusieurs années plus tard dans une interview, c'est dire d'à l'époque à l'équipe ayant créé le film. Je cite, « Bon, d'accord, on est d'accord pour le premier parce que vous l'avez payé. Mais le deuxième, vous ne le finissez pas. On ne veut pas. Au point de vue de la technique, c'est épouvantable. C'est laid. » Quelque chose me dit que Georges Dargaud, il a plus jamais voulu faire de cadeaux après ça. Jamais sorti jusqu'à ce jour, seuls des celluloïdes qui ont été présentés lors d'une exposition à Bruxelles en 2005, Le Monde Miroir d'Astérix, ont été rendus publics. Pour ce qui est de l'adaptation de l'album Le Combat des Chefs, il sera quant à lui partiellement adapté plus de 20 ans plus tard, en 1989, dans le dessin animé Astérix et le coup du menhir. Le saviez-vous ? Joseph Martin Doche est le seul des 577 députés à ne pas avoir voté en faveur du serment du jeu de paume en 1789. Un serment pris dans la salle du jeu de paume à Versailles, dans lequel les 576 autres députés avaient promis de ne jamais se séparer avant d'avoir élaboré une constitution. Visible en bas à droite du célèbre tableau inachevé de Jacques-Louis David, où on peut l'apercevoir les bras croisés, il expliqua son refus par ces termes « La ville de Castelnaudary ne m'a pas envoyé pour insulter et déchirer la monarchie. Je proteste contre le serment adopté. » Hué par les autres députés, suivi d'insultes générales et d'accusations à la traîtrise,
Jean-Sylvain Bailly, le premier à avoir prêté serment, avait alors demandé à ce dernier de s'abstenir au lieu de faire opposition au vœu de l'Assemblée. Mais Martin Doche avait répondu qu'il ne pouvait, je cite, « jurer d'exécuter des délibérations qui ne sont pas sanctionnées par le roi » et signa finalement en inscrivant près de son nom « opposant ». Une signature encore visible et exposée au musée des archives nationales. Acte qui lui valut, en plus des huées générales, une tentative de meurtre de l'un des députés poignard à la main. Protégé par un des autres députés, Jean-François César de Guilherme, il fut finalement évacué des lieux par un huissier prénommé Guillot. Tentant à nouveau de lui faire changer d'avis, Bailly rendit visite à Martin Doche le lendemain pour le faire se rétracter. Mais ce dernier, fidèle au roi, refusa. Le procès verbal de l'Assemblée à ce propos conclut « L'opposant persiste dans son avis et l'Assemblée arrête qu'on laissera sur le registre la signature pour prouver la liberté des opinions. » Un maintien de position qui lui vaudra une tentative de meurtre quelques années plus tard par un sans-culotte, ainsi qu'un emprisonnement peu après durant la terreur. Ce, justement, au moment où il était parti à Toulouse pour se cacher, car craignant pour sa vie. Cependant, emprisonné, il échappera de peu à la mort grâce à une erreur d'écriture, puisqu'on avait inscrit au greffe de la prison le nom de Martin Doche, avec apostrophe, au lieu de Martin Doche attaché. Chose qui permit à un de ses amis de faire libérer ce Martin inconnu, apparemment originaire de la ville d'Auch, par le tribunal. Se désintéressant de la politique par la suite, de retour dans sa province natale à Castelnaudary, après la terreur, l'ex-député aux états généraux ne s'occupera plus que de son domaine familial, ce jusqu'à sa mort en 1801. En revanche, pour ce qui est de Bailly, le premier qui avait prêté serment et qui avait tenté de faire changer d'avis Martin Doche, il sera lui aussi placé en détention durant la terreur, mais, beaucoup moins chanceux, finira pour sa part guillotiné. Le saviez-vous ? La bataille d'Andernach en 876, qui opposa Charles II, dit le Chauve, à Louis III de Germanie, connut une tournure quelque peu particulière lorsque Charles le Chauve tenta de battre en retraite après la victoire de Louis III. Pour donner le contexte, à cette époque, il était en fait commun que des marchands suivent de près les armées de grands seigneurs afin de vendre leurs objets et parfois même leurs armes. Et oui, c'est que qui sait en cas de victoire, hein, ces soldats pouvaient avoir fortune à dépenser. Une des sources, les Annales de Saint-Bertin, citant notamment des marchands de boucliers. Sauf que problème, lors de la bataille d'Andernach, ces marchands se seraient, selon les sources, placés sur la trajectoire que prenait l'armée de Charles le Chauve qui battait alors en retraite, empêchant une grande partie de celle-ci, alors à la hâte, de fuir alors qu'elle était poursuivie, la cause à des chemins trop étroits bloqués par la place que prenaient les marchands, marchands auxquels s'ajoutaient les bagages et stocks d'armes de l'armée elle-même qui étaient placés là. Ainsi, de nombreux hommes de Charles II, tels que son porte-bannière, seront ainsi tués, car incapables de fuir, tandis que de nombreux autres gens de son entourage seront quant à eux faits prisonniers, soit pendant la bataille, soit pendant la tentative de retraite échouée due à cet embouteillage. Un embouteillage qui permettra par ailleurs à Louis le Jeune, en plus de tous ses prisonniers, de s'accaparer des provisions, objets et bagages restés sur place. Comme quoi,